Bonjour, c'est Mogi. Salut, c'est l'aspirateur. Salut, c'est Ekti. On va vous parler aujourd'hui d'un jeu bah bien mignon, hein, ces mini ninjas. Oh, ils sont kawaii. C'est kawaii. Donc c'est le jeu sorti là sur 360, PlayStation 3, Wii, DS et PC. Il est sorti partout celui-là. Donc déjà c'est IO Interactive qui est les développeurs. Donc ceux qui avaient fait Hitman. Oui, c'est le même genre. Ils ont façon. Pété un câble. Ils ont, ouais, donc là ils ont sorti ça et c'est... Et c'est Eidos qui édite. Hein, donc, oui, voilà, donc là Eidos, ils ont été gentils. Donc un petit jeu, toi, c'était même le seul à l'avoir testé pour le moment. C'était un petit jeu sans prétention. Déjà, on jouait des petits ninjas, une espèce de jeu action plateforme, plus action finalement, parce que quand je te voyais jouer, finalement, il n'y avait pas beaucoup de phases de plateforme. Hein. Non, ça se tape plus que ça saute. Avec, donc c'est un petit jeu. Techniquement, c'était assez joli, tout mignonnet, surtout la scène cinématique au début. Oui, toutes les scènes cinématiques un peu en 3D et tout, avec un côté cel-shading rigolo, elles sont super jolies, le style graphique est vraiment très très beau, donc c'est vraiment kawaii à mort en fait. Voilà. C'est kawaii ? C'est complètement kawaii. C'est kawaii les ninjas ! Donc le jeu dans le principe, donc on joue un petit ninja à la con, même plusieurs. Hein. Oui. Très très vite, même on le débloque très vite. Parce qu'en fait, le délire du jeu au niveau du scénar, c'est qu'il y a un grand grand méchant qui s'est pris pour Robotnik et qui transforme les animaux en méchants samouraïs. Et en fait, ça fout un peu la merde dans le royaume. Et sur le mont ninja, le grand maître ninja, il envoie ses ninjas voir ce qui se passe, mais les ninjas ne reviennent pas. Donc il s'inquiète et tout, et finalement il envoie ces deux ninjas apprentis qui sont pas encore prêts, qui sont Hiro, donc celui qu'on joue à la base, et Futo, qui est son pote, pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas et essayer de retrouver les autres. Donc comme ça, avec ce principe, au fur et à mesure des niveaux, on va devoir récupérer ses copains. Donc au total, on aura 6 ninjas, dès qu'on récupère un ninja, après on peut le jouer simplement en actionnant une touche. On peut changer à n'importe quel moment de ninja. Ils ont chacun leur style de combat, leur arme et tout ça. C'est très sympathique. Un peu comme Naruto Sasuke, c'est ça que tu veux me dire? Que Mini Ninja c'est un Naruto miniature? Allez, oui, à vous. Oui, oui, mais en plus kawaii quand même. Et même que t'as pas. Tout à l'heure on avait vu, quand on s'amusait genre à faire toutes les captures, etc. Il y avait une fille ninja et ils appelaient ça Kono Aichi. Il le prononçait de manière très, très foireuse. Oui, c'était Kunoichi. Oui, Kunoichi. Et nous, avec une voix un peu stylée. Genre. Oui, parce Kunoichi. Que dans les cinématiques, ils essaient de faire des genres de voix stylées japonais. Ouais. Oh, je suis mystique. Kunoichi, va là-bas. C'est très foireux. Achète mon kebab. En prenant le kebab sur le monde ninja. Et ce principe justement de récupérer des ninjas, chaque ninja a son propre style. Donc il y en a par exemple, Hiro, lui, c'est le mec à l'épée de base. Donc lui c'est le breakdance, ça n'a rien à voir. Donc par exemple Futo lui il a l'espèce de gros marteau de bourrin, enfin il y en aura un autre qui se prend pour un tigre, il a des griffes à la Wolverine. Donc voilà, il y a pas mal de... Donc, le gameplay change suivant chaque bonhomme, c'est très sympa. Par contre c'est vraiment sur le net, on peut voir des gens qui ont joué au jeu et qui s'énervent sur le jeu. Genre ils ont 20-30 ans et ils sont bien vénères sur le jeu, oui, c'est un jeu pour les enfants. Oui, 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 voilà, c'est vrai, parce qu'avec l'aspi, on est à chaque fois, on se demande vraiment si les gens, ils ont... Enfin, t'as vraiment des gens, je n'ai pas du tout compris le délire du jeu. Ils sont là, ouais, ça chie comme jeu, c'est une grosse merde et tout, alors qu'ils n'ont pas compris. Hé, les mecs, c'est un jeu pour les enfants. Bon, ok, c'est un peu pour les enfants abrutis, parce que le jeu est super simple et tout, mais c'est pour les gosses. Oui, voilà, c'est ça à la rigueur fait pour les enfants qui, on va dire, apprennent à jouer doucement, tu vois, avec un jeu. C'est clair que c'est visiblement, d'après ce que tu me dis, c'est très simple. Finalement, tu t'as jamais galéré, t'as jamais eu de game over, je crois même d'ailleurs. Non, je suis jamais mort. T'es jamais mort. Même si tu peux au début paramétrer le niveau de difficulté, bon, nous, toi, t'avais fait le mode normal directement. Voilà. Je suis pas un hardcore de mini-ninja, quoi. pas encore. J'ai pas encore scoré dessus pour avoir tous les succès, mais bientôt je vais m'y mettre. Un jour, tu pourras douiller. Douiller à mini ninja. J'ai douillé à mini ninja. Et donc voilà, c'est vraiment un jeu. Bon, la difficulté, c'est vraiment ils te prennent très souvent par la main. Surtout que bon, le trip, c'est que on a un ninja. Donc un ninja peut se cacher, peut utiliser des super pouvoirs comme magiques. Comme Rikimaru. Ouf, voilà. Se cache comme Rikimaru, oui. Ou Ayame de Tenchu. Oui, d'ailleurs, il y a des niveaux où on est dans la pénombre et on doit infiltrer des bases discrètement et tout, c'est très très stylé. Mais pour les personnes qui n'aiment pas être discret, on peut aussi se jeter dans la mêlée et taper avec un système de combat très très dynamique, très très fun. Bon, évidemment, on combattra des ennemis avec des lances, donc on pourra pas trop les avoir au loin. Enfin, il faudra justement les avoir au loin, donc
essayer de faire attention ou utiliser un autre ninja qui a un arc par exemple pour pouvoir les défoncer au loin. Donc tout ça, ça a des petits changements de gameplay pendant qu'on joue, qui fait que finalement le jeu au final est moins con que ce qui n'y paraît. Donc ça c'est très très bien. Et évidemment dans tous ces ennemis, bon, on retrouve par exemple ceux qu'on peut pas attaquer de front et qu'il va falloir étourdir avec une touche qui permet de faire un coup qui étourdit les adversaires. Tout ça, chaque ninja aussi a son propre style de combat, mais aussi ses super attaques, car il y a des super attaques quand on laisse enfoncer une touche, où en fait on devra choisir des cibles avec Kiro, on devra choisir des cibles et après une fois qu'on a choisi les cibles, il les démonte. Avec tout ça un système de level up. Quand on tue un ennemi, on récupère des sortes d'orbes. Quand on a un certain nombre d'orbes, on monte de niveau. Et à chaque fois qu'on monte de niveau, on récupère par exemple un nouveau cœur de vie. On peut choisir une nouvelle cible avec Hiro quand on utilise sa super attaque, tout ça. Donc pareil, on a toujours ce système où plus on démonte d'ennemis, plus on level up. Donc ça, c'est sympa pour ceux qui veulent devenir des vrais oufs de mini-ninja et faire du level up à fond. Histoire de le faire à fond et tout. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Donc ouais. Et chaque ninja, évidemment, a son... Quand je dis chaque ninja a son style de combat, c'est qu'ils ont chacun leur propre attaque. Ça, c'est un point que je trouve qui est important à noter, c'est qu'ils sont pas, ils ont pas fait 6 ninjas copier-coller, genre bah, c'est des ninjas, ils tapent toujours pareil les ninjas. Là non, ils sont vraiment très très différents. Et celui qu'on joue, Hiro, évidemment, c'est le plus intéressant à jouer, car il a aussi la magie. Car les ninjas font de la magie. Et donc la magie, c'est des trucs qu'on trouve dans les niveaux où il faut trouver une sorte d'hôtel un peu caché, souvent dans les niveaux. Donc il faut bien les parcourir. Mais comme en général, c'est jamais très grand, et surtout c'est très beau, il y a plein de sublimes effets comme dans les cascades. Ah ouais, putain, ouais, les cascades elles sont super belles, ça tu as même montré, ou les espèces de roseaux aussi. Oui, les rizières. Ouais, les rizières, c'est vraiment magnifique. Les petits roseaux, surtout la cascade, hein, c'était ça, ouais. le niveau vraiment beau. Donc c'est vrai qu'ils se sont pas foutus la gueule du monde, hein, finalement pour un jeu pour enfants. On peut dire tout ce qu'on veut, gna gna, c'est facile, bah oui, c'est pour les enfants, mais ils se sont pas foutus la gueule justement de ces enfants. Parce qu'il y a, par moments, il y a certains jeux estampillés... voilà, j'ai aucun exemple en tête précisément, mais certains autres jeux pour enfants où franchement ils te filent un jeu avec des graphismes au rabais et tout, se prendre pour la gueule, ils se foutent de la gueule du monde. Là non, là ils ont pris le temps, donc techniquement, bon bien entendu, c'est pas un truc de ouf, super HD de bâtard et tout avec avec le moteur Unreal Engine 3. J'imagine le rendu qui aurait rien à voir. Non mais c'est pas un jeu ultra chiadé, mais esthétiquement. Il y a un petit quelque chose en plus, quoi. C'est mignon et tout à parcourir. Non, c'est vrai que pour un jeu qui est sans prétention, ils ont quand même fait quelque chose. C'est comme tu vous dites, ils ont fait quelque chose de bien et c'est assez bluff. Bah, quand je te voyais jouer, je trouvais ça, je fais putain, merde, c'est quand même un jeu pour les enfants, quoi. C'est vrai que d'habitude, quand tu dis jeu pour les enfants, c'est un jeu fait à l'arrache. Et là, tu dis ouais, bien, parce que t'as vu, les effets d'eau sont vraiment sublimes. Et t'hallucines, quoi, vraiment. Moi, j'hallucinais, même quand ils se promènent, les petites forêts, tu vois, elles sont pas super jolies, enfin, elles sont pas extraordinaires, mais à tape l'œil, quoi. Donc, oui, c'est vrai, on voit pas toutes les feuilles bouger et tout ça, mais techniquement, ça déchire. C'est vraiment le. Et ce procès fait que c'est un bonheur, en fait, de se balader dans ces niveaux pour essayer de trouver les moindres recoins. Donc, comme on a déjà dit dans d'autres émissions, nous, on trouve que le côté esthétique est même plus important que le côté technique finalement d'un jeu. Et là, ce jeu-là est le parfait exemple finalement. Oui, voilà. Vraiment. Et donc, le fait du genre, quand on se balade, on peut trouver par exemple des hôtels. Et c'est un truc où en fait, il faudra mettre une fleur à l'intérieur de l'hôtel. Et ça aussi, c'est un autre truc du jeu où il faut parcourir les niveaux pour récupérer des trucs comme des champignons, des fleurs, enfin tout ce genre de petits trucs rigolos. Oh, c'est mignon. Oui, c'est mignon. Oui. Est-ce que Mini Ninja ne reprendrait pas les bases de Sonic et de Mario? Ah oui, on saute. Et puis il y a des animaux aussi, comme dans Sonic, quand on tue des Sonic, voilà. C'est les mecs un peu approximatifs et tout. Enfin, ouais. Oui, de comparaison à la con, oui, bon, ok. Voilà, et après on devrait récupérer une fleur à mettre dans l'hôtel pour avoir sa magie, justement. Donc les magies sont à utiliser... Comme les objets, sauf qu'en fait il y a une barre d'utilisation de la magie. Donc les magies, il y en a plein. Il y a par exemple les boules de feu. Il y a un truc où il y a des papillons qui te montrent justement où se trouve l'hôtel le plus proche à côté de toi pour justement avoir une nouvelle magie. Donc tu as aussi les éclairs, tout ça. Il y a plein de petites magies rigolotes qui sont très simplement en fait en appuyant sur une touche. C'est pas prise de tête du tout. Il y a aussi avec ça donc des objets comme les shurikens par exemple. Il y a des bombes aussi. Il y a aussi des potions. Et quand on récupère des objets, enfin des plantes ou des champignons ou ce genre de choses. Après, il faudra qu'on aille voir des canards qui parlent.
Donc ça, c'est une des petits trucs pas du tout réaliste du jeu que j'ai trouvé complètement aberrant. Ouais, non, c'est aberrant, le jeu n'est pas du tout réaliste, ça m'a fait péter un câble. Ça, c'est se foutre de la gueule des mômes. Ça, vraiment, c'est se foutre de la gueule des mômes. La gros coup de gueule, là, les canards, ça parle pas, je suis désolé. Non, mais alors là, j'en ai marre. Je vais aller parler sur tous les forums à droite à gauche, je vais me vénère. C'est un mec très haineux, t'imagines. Et ces canards-là, justement, peuvent te permettre d'acheter des trucs, de préparer des potions à partir des trucs que t'as récupérés. Donc voilà, ça, c'est pareil. Et à la fin de chaque niveau, il y a un décompte, en fait, de ce que t'as trouvé dans les niveaux, en fait. Donc il y a des totems aussi à récupérer, qui sont des petits trucs qui sont pas très utiles, mais c'est juste histoire de dire que t'as fait le niveau à 100%, la magie et les plantes. Donc voilà, et pour les scoreurs, tu dois refaire tout le... à la fin de chaque niveau, t'as ton score, et si jamais t'as pas tout récupéré, tu peux revenir dans les niveaux pour tout rechercher. Et ça, c'est pas mal parce que ça augmente la durée de vie qui n'est pas énorme. Mais en 2009, on a l'habitude maintenant des durées de vie qui sont pas énormes. Effectivement, donc, pour un jeu de maintenant, en fait, il a une durée de vie normale. Mais, donc voilà. C'est un jeu, vraiment, c'est un jeu pour les gosses. Donc je pense vraiment que tous les gosses, ils vont kiffer. Quoi. C'est juste en plus l'ambiance japonaise. Bah, Janou. J'ai bien aimé, grand enfant, d'ailleurs. Même à 20 ans, on peut kiffer ce genre de jeu parce que l'ambiance est excellente, la musique est très bonne. À condition de remettre le jeu dans son compte, en jouant, en ayant bien conscience que c'est fait pour les enfants. Si bien sûr tu vois ça comme un jeu fait pour tout le monde, là c'est fini. Là. C'est clair que tu peux le cracher dessus, lui trouver mille et un défauts. Mais si tu l'abordes dans le sens que c'est un jeu fait pour les enfants, prédestiné pour eux, c'est amusant. C'est amusant. Oui, c'est vraiment un bon jeu, quoi. C'est pas un jeu ouf non plus, apparemment, parce que d'après ce que tu m'as dit, c'était un peu répétitif aussi. C'est un peu lassant, quoi, mais je pense vraiment... C'est vraiment... c'est lassant par son manque de difficulté. Ce qui fait que les combats, t'as jamais réellement de stress, même les boss, car il y a pas mal de boss où à chaque fois, il faut trouver la petite technique pour les abattre. Et en fait, en général, tu dois juste faire en sorte qu'ils fassent une certaine action. Et après, t'as un petit QTE... un peu foireux parce qu'il est très très simple et qui s'active une fois qu'on l'a fait, c'est fait, mais c'est toujours un truc très mignon du style, il y a un moment un mec avec une épée où il faut par exemple taper dans ses fesses pour que sa culotte elle tombe et qu'il il relève sa culotte et il tombe, donc voilà c'est un... Putain alors ça me fait péter un câble, ouais, ça. Mais j'ai pété un câble. Mais il y a pire, il y a le monstre, il y a le boss qui pète. Putain, là, celui-là. Je me plaire pas tout de suite. Ah mais là je vais péter un câble, je vais aller sur les forums, montrer mon mécontentement. Mais le attention truc, mais le truc à ma mère. Le truc qui m'a fait le plus péter un câble et j'ai envoyé une lettre à Eidos, c'est qu'il se sert de son chapeau pour aller dans l'eau. Non mais là c'est se fout. Il se sert de son chapeau de la comme gueule bateau. Du monde. Quoi? Je te jure. C'est pas du tout réaliste ça. Non, c'est bidon. Mais ça me fait. Et une fois qu'il est dans son chapeau, on peut sélectionner une canne à pêche dans l'inventaire et pêcher des poissons dans un chapeau. Putain. Attends. Je remets le contexte. T'es dans l'eau, mais ton bateau, c'est ton chapeau que t'avais sur la tête. Ouais. Et tu pêches. Putain, mais c'est n'importe quoi. C'est physiquement impossible. C'est pas réaliste, c'est putain. Pas réaliste ils se foutent de ta gueule. Ils se foutent de ta gueule avec ce genre de jeu. Très clairement. Non mais. Et sur le net, on peut vraiment voir des mecs vénères comme oui, ça oui, sur c'est, ce jeu. C'est très très amusant. Le délire. Ouais, et c'est vraiment, enfin, dans ce jeu, il y a plein de petits trucs très très stylés. En reparlant un peu de l'ambiance japonaise, Yo Interactive, c'est américain. Je crois que c'est danois ou suédois. Finalement, c'est qu'on sent que c'est pas fait par des japonais parce que on voit qu'il n'y a pas toute cette surenchère de ninja et c'est très très simple finalement. Il y a une vision du ninja qui est assez simple et de par le gameplay, c'est vraiment pas mal, je trouve. Ça a été bien fichu. C'est pas un truc exagéré avec des grosses magies. C'est simple, tu te caches, t'attaques les ennemis, tu changes de forme pour changer de style de combat, c'est là-dessus. Je trouve que l'idée est bonne, c'est pas exagéré, c'est vraiment bien. Oui, non, c'est vraiment sympa, surtout que justement dans cette ambiance au Japon ancestral, il y a aussi les musiques qui l'accompagnent, qui sont très très bonnes, quoique un peu répétitives sur la longueur, mais oui, qui mais restent sympa. Quand même très très bonnes. Ouais, vraiment sympathique les musiques. Hein. Ouais, c'est l'un des points vraiment simples, même l'un des points forts du jeu. Oui, c'est vraiment l'un des points forts du jeu, la musique. Elle entraîne vraiment dans l'aventure, et quand la musique commence à se lancer, par exemple, il y a des moments quand on bat un boss où en fait on se retrouve au coin du feu et on repart vers l'aventure. Quand la musique se lance, on a vraiment envie de repartir à l'aventure. C'est vraiment un point qui donne vraiment un coup de peps quand on y joue. Quoi. Les enfants ont beaucoup de chance. Oui, avec ce jeu, les enfants ont vraiment de la chance. Et, c'est les parents qui, en général, ne veulent pas offrir de jeu à leurs enfants parce qu'ils trouvent ça débile.
là bah c'est quand même un bon coup quoi à acheter pour les gosses, c'est vraiment sympa. Sauf le canard qui parle et le chapeau, là vraiment là. Ça c'est bidon ça. Là, c'est la goutte d'eau, c'était vraiment les gouttes d'eau même qui ont fait déborder le vase. Oui, bah de toute façon, moi j'aurais un gosse, je lui dirais carrément de ne pas utiliser ça, de ne jamais parler à un canard dans le jeu, parce que je trouvais ça tellement bidon qu'il n'a pas à faire ça. C'est le daron vachement pète couille, tu sais. Surveille vraiment son fils quand tu joues. Oui. Ouais, bah c'est vraiment un jeu, je le conseille vraiment pour les gosses ou pour les grands enfants qui ont comme envie nous de découvrir ce magnifique jeu qui est très très joli, de très bonne musique, une ambiance japonaise. Si on est très fan de l'ambiance Japon médiéval, on peut vraiment kiffer, surtout qu'il y a des moments un peu infiltration, on arrive dans des citadelles japonaises typiques de l'époque avec des grands donjons et tout, c'est vraiment très très beau. Où on reste dans l'infiltration, évidemment il y a des coups, on peut faire des coups dans le dos, évidemment c'est pas des steel kill, la Tenchu, la Tenchu très gore, c'est avec un effet radio comme dans Tenchu. Non, c'est vraiment juste un petit coup d'épée et hop, l'ennemi se transforme en l'animal et voilà. Même genre il pousse des petits cris aussi des fois là, les... Oui, oui, c'est les ennemis, ils font des petits cris à la con, non, je trouve ça rigolo. Oui, voilà. Non, on le disait en même temps. Non, mais c'est vraiment un jeu kawaii qui est très 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 sympa, bien coloré, joli, des très bonnes musiques. C'est vraiment un jeu que je conseille pour les gosses, mais ceux qui s'attendent à un grand grand jeu de ouf, hyper épique, évidemment ils seront déçus. C'est vraiment un jeu, un petit jeu à ne pas vraiment prendre au sérieux. Et surtout qui amène les gosses à rentrer dans le monde du jeu vidéo, parce que tout est fait pour que l'enfant s'habitue à des systèmes de jeu qu'on retrouve plus particulièrement dans des jeux un peu plus complexes pour eux, pour ainsi tel dire. Que le QTE par exemple. Par exemple. Voilà. Achète. Achète. Achète.